T'es bien là? Bah non. Ah non, ça va être chiant ça. Ah, comme ça on peut s'asseoir éventuellement. Hein. Ouais. 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 Mais peut-être il y a trop de voitures. Attends. Ouais, on va ailleurs. Après, il y a le problème de... Ouais. Bah, on verra bien. Les femmes comptent-elles avoir avec la politique? Ne ferait-elles pas mieux de s'occuper de leur mari ou de leurs enfants? Mais n'est-ce pas abusif? Telles sont quelques-unes des questions dont nous allons débattre ce soir. Je l'épouserai, dit-elle. L'évasion d'un homme est difficile. Mais quel problème que celui-ci? L'évasion d'une machine. Gilliatt avait maigri. Ses cheveux et sa barbe fit pousser. Les éclats de l'enclume rudimentaire et fort dangereuse dont il se servait lui avaient fait aux mains et aux bras de petites plaies, écorchures plutôt que blessures, mais irritées par l'air vif et par l'eau salée. Il avait soif. Il avait froid. Il avait faim. Exemple. Un grand homme, un homme du monde, un homme d'affaires, un homme à femme. Femme de ménage, femme de chambre, femme de service. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour. Il ne sera jamais emporté par le temps, je l'emporte moi-même, il restera vivant.
Ça dit quoi? Mets tes chaussons! Mets tes chaussons! Mets tes chaussons! Je me réveille. Je me réveille. Je me réveille. Je me pulle. Je me laine. Je me plume, je me soleille. N'hésite pas à te délier, n'hésite pas à t'agrandir. Déplie-toi. Non, non, moi c'est tout ce qui est colis. On commande. C'est parti. Non, 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 non.